Je m'appelle Gabriel Pasquier, je suis archetier installé à Caron depuis 2016. Mon métier consiste à fabriquer et à restaurer des archets de violon, d'alto, de violoncelle et de contrebasse. Alors, un archet, c'est un outil qui permet au musicien de mettre en vibration la corde de son instrument. La qualité d'un archet se joue à quelques grammes et quelques dixièmes de millimètre. Ça va être différent pour chaque morceau de bois, ce qui fait que cette discipline est difficilement automatisable avec des machines. Et c'est pour ça qu'on travaille à 95% à la main. Je dirais que l'archeterie se situe entre la lutherie, par le travail sur le bois d'ajustage, qui est destiné aux musiciens, et la bijouterie, par le travail des matériaux nobles, tels que les bois précieux bien sûr, mais aussi l'or, l'argent, l'ivoire, la nacre, et même le cuir, la soie, on utilise tout ça. Moi, je suis originaire de Touraine, mais j'ai eu la chance de rencontrer des mécènes, la famille d'Échery, qui ont fait restaurer cette petite maison au cœur du village de Caron et qui nous ont accueillis avec mes trois collègues luthiers. Et travailler ici, c'est avoir beaucoup de calme et donc ça permet de se concentrer sur la fabrication, le neuf. Et puis, c'est une chance de pouvoir travailler dans une si belle région.